I will be plus précisément dans le Washington. I will be Mama Marthe né. Mama Marthe né. I will be shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On est un Congolais. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver samedi encore une fois. Je reçois sur ce plateau pour la première fois deux femmes. Elles sont entrepreneurs, si vous voulez. Elles travaillent, elles cherchent l'argent. Elles font la fierté de notre continent à l'étranger. Elles évoluent à l'étranger, aux États-Unis. Mais elles représentent, je vais dire, toutes ces femmes qui travaillent à l'étranger, en France, en Allemagne, partout, même à Brazzaville, il faut le dire, hein, elles sont partout. Mais là, la particularité de cette émission, c'est qu'il y a deux nationalités. Elles sont toutes africaines, c'est vrai, mais il y a une qui est congolaise et une autre est ivoirienne. Alors, on va apprendre tous les difficultés qu'elles rencontrent souvent et pourquoi elles ne seraient pas comme les autres, je veux dire les Nigériennes par exemple, ou les autres que leur pays aide et soutient. Alors, on va essayer un peu d'en parler. Donc, cette émission sera bilingue, on sera en lingala et en français parce que l'ivoirienne ne parle pas lingala, mais je crois que quelques mots, peut-être quelques salutations. Comment allez-vous, madame Samira? Je vais très bien. Comment on dit chez vous déjà, je ne veux pas dire ça, mais c'est quoi? À quoi, c'est ça? À quoi bas, c'est ça? Oui, c'est ça, salut. Ah, à quoi bas? C'est en quelle langue? À quoi bas? C'est en baoulé? Sinon, vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous trouvez Kinshasa? C'est un beau pays. Le peuple hospitalier. Oui. Vraiment accueillant. Alors moi, j'adore la Côte d'Ivoire, vous savez. Wow. J'adore la Côte d'Ivoire, j'adore votre politique, j'adore votre musique, j'adore tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Je me dis, la Côte d'Ivoire et la RDC, c'est un peu comme si on était un même peuple. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez senti un changement de milieu, forcément? Non, pas forcément. Du tout. Mais c'est la langue qui vous dérange. Voilà, c'est la langue. Ça ne me dérange pas trop. Quels sont les mots que vous connaissez en lingala? Oh, je connais la nourriture, c'est-à-dire ce que je vends. Ah, ok. Je connais les mbinzo, oui, les binzo. Bilolo, oui. Les bitoyo, oui. Les nzombo, oui. Les madesu, oui. Quoi encore, kimpuka. Le foufou. Le foufou, oui. Ouais. Chez vous, c'est le foutou, non? Vous appelez le ça foutou. Quoi? Chez nous, c'est le foufou, chez vous, c'est le foutou. On a le foutou, on a le foufou. Ah, vous avez aussi le foufou? Oui. Vous avez le pondou aussi? Oui, on a le pondou aussi, ah, mais d'accord. On ne mange pas trop. Ah, vous ne mangez pas trop les pondous? Non. Vous mangez les beaucoup plus, peut-être les feuilles de patates. Ouais. Oui. Ah, ce que les feuilles de patates, c'est quoi? Matembele. Matembele. Yeah. Ah, d'accord. Matembele, les ngaïgaï. Ah, ça, vous mangez? Oui. Et les kwanga aussi, vous mangez? Vous connaissez les kwanga? Kwanga? Les kwanga? Non, je l'ai découvert avec mes frères de l'Afrique centrale. Ah, oh, mais vous manquez à des choses. Chikwanga, on appelle ça Ngbele chez nous. Chikwanga. On appelle ça Ngbele, Mokurutampanje. Il y en a bien, il y a beaucoup. Il y a Mosombo, il y a Mumbanda, il y a bien d'autres choses. Alors, je reçois encore une fois Maman Marthe. Maman Marthe, Boni. Voilà. Ah, oh, il y a Maman Marthe. Mais tout le monde a une émission à Bisso. Mais tout le monde a pu boire les cacahuètes. Ils ont une des sicônes. Au Canada, aux États-Unis. Boni Maman Marthe. Voilà, on l'a engolé. Où il y a des petits ivoiriens na Congo. Yeah. Quand tu rien, mais on va casser. Mais on va casser. Mais on gratte, donc. Boni santé. L'engolé, ça va se faire. Alors, il faut te le dire que au Salakaba faire depuis longtemps. Au Bani Maramba, au Tekabilo, au Congo, depuis Kala. Mais au Tekaneti, ni spécialement.
Bon, on a spécialisé na biloko akolia. OK. Bah biloko na biso awa donc. Biloko na biso awa. Ya biloko na biso awa, biloko ya Nigeria, biloko presque toute l'Afrique. OK. Yeah. Alors maintenant madame Samira, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez compris un peu oui, l'idée, d'accord. Elle vend des choses que nous consommons ici au Nigeria, en Afrique, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous a intéressé principalement dans le marché congolais? Dans le marché congolais, j'ai quand même une forte communauté congolaise et je pense que chaque pays africain cherche un peu ses produits. Ah d'accord. Et ce qui revient beaucoup plus, c'était les chikwang, les safou. Tout le temps, on me demande comment tu peux faire pour nous trouver les chikwang, les safou et tout ça. Je dis les zombo. Bon, tout ça, c'était un peu nouveau pour moi, je ne les connaissais pas. Okay. Donc, c'est à travers les clients congolais et congolaises, là-bas aux États-Unis, que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ces produits-là. Et vous avez fait le premier voyage, c'est Lucie. Oui, c'est ici. Ah, d'accord. Et, mais alors, comment vous faisiez à l'époque pour vendre ces choses-là? Il n'y en a pas. On n'en trouve pas. C'est vrai. Oui. Puisque moi, j'étais spécialisée dans les produits ivoiriens, c'est de là-bas que je viens. Donc, c'est pas là que j'ai commencé. Okay. Et au fur et à mesure, je suis partie au Mali. J'envoie aussi les produits du Mali, les produits du Sénégal. J'essaie de détecter un peu le besoin et j'essaie de le combler. Donc, progressivement, au fur et à mesure. Après, il y a eu la communauté camerounaise, la communauté congolaise, dont il fallait que je trouve quand même des circuits pour venir sur place pour voir comment est-ce que. Ça peut se faire. Alors, maman Marthe, je peux aussi la rendre, moi, là, identifier le problème. Il y a des gens au Congo, il y a des gens au Congo, mais il fallait qu'il y ait un magasin au Cameroun à côté, à tous les blocs au Bango. On est consommé à Pierre Bango. Non, normalement, pour la cause du Bango, il y a Cameroun, peut-être, il va être très facile. Ah, comment ça? Il y a, parce que dans Cameroun, tout ça, la facilité. Il y a un kita, il y a un conteneur, il y a un matisse. Bon, pour ça, la biloko ya ba ivoirien, par exemple, c'est facile. Okozongo partout. Bon, pour ça, la ya ba ghanéen, c'est facile. Okozongo partout. Ah, ba togolais, Kenya. Ba tchadien. Ah, tchadien. Ah, tchadien, parce que bango baza la désert. Ok. Alors, même temps, on a zaragi na tchad, parce que na bandi commerce, c'est vraiment. Combo ya maman Marthe bandi na Tchad. Okay. Alors on a bandi ko sala na Kenya, Cameroun, Nigeria, Togo pour na kozwa biloko ko mema na Tchad. Mais biloko na biso congolais, c'est très difficile. Alors mais justement c'est ça le problème, comment vous expliquer parce que ce qu'elle est en train de dire, elle explique que partout c'est facile, en fait c'est pas très très facile mais quand même c'est accessible. Mais il n'y a que chez nous que ça devient compliqué. Est-ce que vous, en Côte d'Ivoire, vous avez aussi les mêmes problèmes, les mêmes difficultés comme ici? Non, pas pour faire sortir les affaires comme ici, non, on n'a pas trop de problèmes. Comment ça se passe chez vous, en Côte d'Ivoire? Tu vois, le transitaire te fait le booking. C'est-à-dire, le transitaire gère tout ce qui est intermédiaire, phytosanitaire, enfin, tout ce qu'il faut. Mais ici, par contre, on a eu quand même un peu, beaucoup de difficultés. Ok. À quel niveau? Dès le départ. C'est-à-dire la paperasse, un peu trop. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas trop de conteneurs qui partent d'ici en direction des États-Unis. Parce que ça aussi, il faut quand même donner le temps à l'administration de pouvoir intégrer tout ça. Bon, c'est ce que je me dis. Dès le départ, on est venu positionner le conteneur. Il faut attendre. On ne peut rien mettre dans le conteneur. L'agent d'OCC doit venir d'abord faire les photos. Et on a attendu près de 2 semaines. Et nous sommes là pour les affaires, vraiment, time is money, comme on le dit aux États-Unis. Donc, nous avons passé pratiquement 2 à 3 semaines. Pour rien. Pour rien. Et ça m'a un peu déçu. Quand même. Vous passez combien de temps en Côte d'Ivoire pour faire un conteneur? Peut-être c'est l'achat qui me prend du temps. Sinon, la paperasse en une semaine, dès que je dis au transitaire, ok, trouve-moi les dates disponibles, il me trouve les dates, ok, on positionne le conteneur tel jour, on vous le laisse peut-être une semaine au maximum. On a le temps de remplir le conteneur et partir. Mais chez nous, ici, on vous prend pratiquement 2 ou 3 semaines. Oui. C'est-à-dire, le conteneur, on ne peut même rien mettre dedans. D'abord, il faut attendre que les agents viennent et ça traîne. Bon, je ne sais pas si c'est le déclarant qui a traîné. Je ne sais pas trop à quel niveau se situe le problème. Mais moi, je veux le résultat. Et quand je n'ai pas le résultat, c'est compliqué. C'est compliqué. Maman Marthe, ni n'est-ce pas compliqué, voilà, si on peut se dire, depuis mon cas là.
Par exemple, on est en Côte d'Ivoire, de façon pratique. Il y a en Côte d'Ivoire, na Cameroun, na Lobby, na Mbo, comme ça, na Togo. Où ça, la n'engue ni pour aucun conteneur? Bon, c'est très facile. Tout est facile. Parce que, au commande, ma frère, surtout, il y a l'État. Par exemple, na Togo, ma frère, na Bango, ils ont déjà affiché. Oh. Yeah. Ma frère, na Bango, ils ont affiché. Ceux qui ont eu les lots transitaires ou bien nini, au solo lina y est si, yo moko d'abord opérateur économique, ou yébike, ah, elle a eu foutu autant. Na yébike n'a pas fait sa songolo autant. Donc c'est clair. C'est clair. Mais, ah ouais, pas d'abisson à Congo, tout est enveloppé. Il faut négocier. Donc, il faut négocier. Puis il y a lundi, puis il y a mardi, puis il y a jeudi. Il faut négocier aussi ici, ou yébike n'a si, n'a si, mais il y a des mouches qui vont venir de. D'autres côtés, seulement pour emmerder. Oh, il faut ça la boye. Il faut bimiser. Il faut que ça. Madame Somi Balé, il faut ça la boye. Amin, et ça passe. Alors, mais n'est-ce pas en Côte d'Ivoire, le temps que ça te prend, dans la Togo, vous aurez combien de temps pour ça la conteneur là? Mais effectivement, comme ma soeur vient de parler, le col à haut du coloba, ils en attendent, et que ça la yo, que ou mais. Ah, ok. Par exemple, tu salis 3 semaines. Conteneur est quitté, mais pour que beaucoup de sabiloko, il faut que la base on a en photo. Il y a un petit conteneur. Ah, I'm sorry. Pour la cause, on a un conteneur vide, photo. Ça, là, on est. Ah, mais justement, qu'est-ce qu'ils font avec les photos de conteneurs? Je vous prends une photo aussi là-bas? Non. Oh. À la rigueur, si on doit prendre des photos, ce sera les photos du conteneur plein, mais le conteneur vide, il n'y a rien dedans. Madame Sonia, expliquez-moi. Ils viennent prendre des photos pour faire quoi avec les photos? Je ne sais pas. C'est ici que moi j'ai appris ça pour la dernière fois. Du Mali, je n'ai pas eu ce problème. Au Sénégal, je n'ai pas eu ce problème. Au Ghana, je n'ai pas eu ce problème. Est-ce que ce n'est pas pour se rassurer qu'il n'y a rien à l'intérieur? Peut-être. Peut-être ils protègent aussi. Mais même alors, s'il faut se rassurer qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bon, mais les yeux suffisent, non? Voilà. L'agent de l'État représente l'État, donc on n'a pas besoin de... Et je me dis, bon, le produit sort du pays. Oui. Donc, quand ça sort du pays, bon... On n'a pas vraiment besoin de trop s'inquiéter. C'est quand ça rentre qu'on a un peu peur. On veut savoir qu'est-ce qui vient. Le produit sort de ton pays. Bon. Peut-être on a peur que vous puissiez faire sortir des choses, des minerais, des... peut-être, je ne sais pas. Bon. Vous pouvez les coller ou peut-être coller la drogue. Je ne sais pas. Bon, vraiment. Maman, tant que vous avez un conteneur dans Togo, dans Côte d'Ivoire, dans Mali, il va coûter combien exactement, conteneur, en termes de prix? Tout comparé à Congo d'Abissoir. En termes de prix, par rapport à quoi? J'en sais rien en tout cas. Par rapport des produits, par rapport il y a produits ou bien par rapport il y a bon ça là transport ou bien quoi? J'en sais rien en tout cas. Comment vous faites généralement? Bon, le prix, le prix d'un conteneur, il revient à combien? Bon. Par exemple, il y a des bambis, des légumes, et quand un conteneur, on a pour qu'il y ait comme beaucoup na Côte d'Ivoire, pardon, na États-Unis, na Côte d'Ivoire, je paye combien na Côte d'un conteneur mon compte? Bon, franchement, ça dépend des produits. Ok. Bon, produits locaux, il y a un bis, si tu as un conteneur, tu peux aller même à 100 000 $. Ok. Tu peux aller à 100 000 $ pour faire seulement poisson. Mais, conteneur, il y a un bilan comme Soussou, ou Ezali, tu peux aller à 60 000 $. Voilà, ça dépend des produits. Madame Samira, est-ce que vous pouvez nous dire un peu combien ça... ça revient à combien, par exemple? C'est 100 000 ou 150? Ça dépend. Comme poisson? Elle a dit, tout dépend du produit. Les poissons... Les poissons sont chers. Un conteneur de poissons peut te prendre facilement 100 à 120 000 dollars. Oh, ok. Oui. Bon, par contre, si tu prends les légumes, même avec 50 000 dollars, tu peux finir le conteneur. Mais au Congo, c'est combien? Au Congo, les légumes aussi, ça va, mais les poissons sont chers. Les poissons sont chers au Congo. Et comme c'est une première fois dont on fait un peu de mélange de légumes et de poissons, on prend un peu de tout. Maman, tant que ça, la conteneur dans la Kina, on spécifie quand même l'article, n'est-ce pas? On aura peut-être aux Umbissia, aux Ndunda, aux Ubo, aux Ubo, aux Ubo. Et en fonction des demandes dans les États-Unis, donc ça, la conteneur dans la tout le monde propose à la client un produit. Il y a un spécialisé, kakana, Mbissia, au Kauka. Mais c'est maï, tout ça. Et ça, vous allez en dire. Bon, franchement, dans le Congo, c'est difficile de prendre ça à conteneur. Je crois que c'est ton bundan dans ma casse. Bon, ça là, ça m'engage que moi. Maman Marthe,
Je suis allé à la parce que l'appel est chef de l'État que tout le monde a soutenu à Bissom. Il y a un moment où il y a violence. Mais normalement, les produits à Congo, si on a mis les produits à Congo, on a d'abord au Cameroun. Et à partir du Cameroun, on a continué dans les États-Unis. Oh! Yeah. Mais comment on a mis ça? Parce que. On a un secret d'affaires, tout le monde. Non. Bon, si on a mis en Angola, on a continué dans le Cameroun, on a fait un transport et ça est bien. Mais tandis que si on a sali à Wapour, que nous dans les États-Unis, c'est facile. Nous avons aussi place, mais la tracasserie et ça est bien. Donc, s'il faut aider ceux qui travaillent comme vous, qu'est-ce que l'État devrait faire exactement pour vous alléger la tâche? Par exemple, dans le cas de la RDC, qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour vous faciliter la tâche? Bon, je pense qu'ils allègent un peu le processus et que le processus soit clair, c'est-à-dire à l'export, voilà ce dont on a besoin. Je ne sais pas si... Il y a déjà des organismes. Bon, s'ils peuvent vraiment accorder une attention particulière dans ce domaine-là pour essayer de nous faciliter la tâche. Moi, par exemple, c'est une première fois et les difficultés que j'ai reçues, déjà, je suis découragée. Je suis en train de me dire, bon, je pense que le Cameroun est plus facile parce que j'ai déjà fait partie des affaires à partir du Cameroun une fois. Donc, bon, pourquoi ne pas partir au Cameroun parce qu'on trouve pratiquement les mêmes produits. Et si c'est plus facile pour moi là-bas, ça va parce que j'avais le choix entre le Cameroun et le Congo cette fois-ci. Et quand j'ai appris que ma soeur était sur place, j'ai dit, bon, je préfère aller au Congo, ça me fait aussi une découverte. Voilà pourquoi je suis venue. Mais quand vous arrivez, vous rencontrez des difficultés qui peuvent vous décourager en même temps. Oui. Donc vraiment qu'ils allègent un peu la tâche, je pense que chacun à son niveau a besoin de... On peut toujours faire mieux, c'est ce que moi je vois. Alors, maman, il faut que le gouvernement fasse des débuts. Donc, quoi est-ce que le exactement? Ok. Alors, quand on s'en a le gouvernement, parce que ceux qui... Batotozo ya kosomba biloko wa mbongo bizokota na mboka même ba maman ba zo sala biso pona kokanga biloko pona kosala boye ezata mzu ko alléger tâche ya ba maman mususu ke oli avanda boye bana mususu ya mike oli azala kuluna na nzela mais yezu esika yesike ezali ke azome mabiloko azo kumba bazo futa e quand même quelque chose akozala bazé kuna premièrement pona kozwa license. Licence. Yeah. Par exemple, pendant que j'ai une licence, je suis congolaise. Je suis na Koliao. Mais, et que ça, yo un mois. Pendant que j'ai une licence, je suis en train de faire des choses. Mais au moins, je suis profiter de pas de moussou pour que je suis en licence de pour que je suis en train parce que je suis en train de faire déjà 3 mois. C'est quoi licence ou est là pour ça non? Import et export. Ok. Ah donc une autorisation qui vous permet de. Alors import export et que soyons gonga et belé. Tandis que gouvernement lingi que gouvernement zappen a besoin à soutien à bisoké. Toi y a ou à toi quoi disambongo parce que tant que monta koko tao la salle conteneur a mis bail. Bon et quoi tu n'amboka et quoi tu n'as marché. You know si quoi bon on attend et quoi tu n'as marché. Et qu'on circule. Ce qui est surtout, ils ont bloqué, ils ont passé. Et... Monsieur, les personnes, tu combien déjà sans gagner dans ma cambo depuis que je suis en conteneur ou dans Kina? Parce qu'il faut compter ma frais d'hôtel, il faut compter ma frais de transport, il faut compter tout ça. Ça te fait quand même une montagne de dépenses. Oui. Pour vendre un hôtel et un pam. Oui, tu vends. Ça ne coûte. Moi, je suis en train de la télévision. Oui. Mais. Et le qui est belé, aussi si on somme biloko pour qu'on matisse biloko et qu'on soit au lissou sous le temps, ma cambosa claire était. Soit le gouvernement a connu ça, ok, pour qu'on ait la licence, pour qu'on ait la place, pour qu'on ait la monta autant. Pour qu'on ait l'eau, pour qu'on ait la monta autant. Par exemple, un gars, la salle qui importe, exporte. Et partout, on a la salle qui est à Togo, na Bénin, na Nigeria. Cameroun, elle est à Abidjan. Ils ont des connards mutamé mangai Congo. Le longa na invité, il peut y aller pas naie. Pour na kosa license nangai, pour que na fungola business nangai que na koka koti na biloko. Ça m'a pas pris une semaine, c'est trop. Ah, en Côte d'Ivoire. Yeah. Et j'ai pas moins d'une semaine. Pas moins d'une semaine, tout est fini. Ouais, écoute, n'importe quoi. Yeah.
Tout est fini. Mais c'est calvaire. Ça fait combien de temps? Mais j'ai fait déjà 3 mois. 3 mois aux licences en gardien. Et ça, on en a fait. C'est quoi, Nazaré qui est obligé à ça, il y a un décomusus. Est-ce que ça pour la Covid? Covid. Tout ça pour la lenteur. Bon, Covid, il y a un peu de bakangi, babiro. Babiro, il y a un peu. Alors, mais, Madame Samira, il y a un véritable problème parce que vous me dites que. Un entrepreneur, c'est le temps qui compte le plus. C'est son temps. Un entrepreneur, toutes les dépenses que vous faites vont être répercutées sur votre pouvoir d'achat. Mais alors, depuis que vous êtes à Kin, vous avez fait combien de temps depuis que vous êtes là? J'ai fait déjà plus de mois. Plus d'un mois. Oui. Est-ce que vous imaginez toutes les dépenses que vous avez eu à engager sans véritablement gagner quelque chose? Parce que ça rentre dans le cadre des affaires. Oui. Est-ce que c'est assez important? Oui, c'est assez important. Et je pense que quand tu dépenses trop, le produit va te revenir cher. Oui. Et il n'y aura pas de gains, quoi. Voilà, ouais. Il n'y aura pas suffisamment de gains. De gains, oui. Voilà, alors que dans les affaires, bon, je pense que nous voulons tous gagner. Que les acheteurs aussi soient contents. Ils sont fiers de voir leurs produits authentiques, bien faits et tout, à des prix raisonnables. Mais si les dépenses déjà en amont sont déjà énormes, ça veut faire que le prix unitaire devient trop. Parce que si je comprends bien, lorsque vous quittez les États-Unis, vous arrivez au Nigeria par exemple, vous vous dites, je fais toutes mes histoires dans un mois. Oui. Et vous avez un budget pour ça. Oui. Ce budget-là est d'une manière ou d'une autre répercuté dans votre chiffre d'affaires. Mais quand vous arrivez et que les Nigériens vous prennent encore un mois supplémentaire, ça veut dire que vous entrez directement en train de faire des manques à gagner. Et ça gêne directement, vous n'irez plus là-bas. Vous dites, ça ne sert à rien d'aller dans les Nigériens. Le marché est assez large. Si tu ne peux pas fournir pour le Nigeria, par exemple, tu peux fournir pour le Cameroun, tu peux fournir pour le Togo. Mais tu n'es pas obligé de tout faire. Là où on te pose trop de problèmes, tu laisses et puis tu avances, tu cherches mieux. Entre-temps, les Nigériens perdent l'argent. Oui, entre-temps, le pays en question perd l'argent. Parce que nous sommes venus là, nous dépensons tous les jours. Exactement. Nous sommes venus laisser de l'argent ici. Oui, oui. Nous faisons des achats tous les jours. Vraiment, je pense que c'est une bonne opportunité pour le pays. C'est l'argent qui rentre aussi. Est-ce que vous pensez que si on allège la tâche, Mama, ceux qui ont allégé les gouvernements, allégé la tâche, est-ce que vous ne pensez pas que Batumusu, Libanda, qui sont découragés dans le Marombi, ils peuvent dire, bon, le Congo devient quand même assez opportun, pourquoi ne pas venir? Alors, sauf dans la Binou, par exemple, 200 femmes ou 400 personnes qui viennent faire la même chose que vous, ça veut dire si vous pouvez laisser 1000 dollars au Congo, avec plus de 400 personnes, c'est un chiffre assez faramineux. Bon, franchement, je peux parler à... Hier, lobby, je mets un peu français parce que ma soeur va comprendre. Il y a les femmes, les opérateurs économiques qui vivent aux États-Unis, qui m'appelaient par-ci, par-là. Pourquoi Maman Samira Serma est partie là-bas? Pourquoi tu ne nous as pas amené nous tous? Bon, j'ai dit, ok. On est venu faire l'essai. Tu vois, comme ça, l'essai. Pour total, ceux qui m'ont sont ma collègue Malam, Bongo, Baninga Moussou Baya. Mais Maman Samir et Zali, elle a été comme ça, laissée, elle a habité, elle a été coupée sans gagne. Parce qu'elle a été beaucoup à la main. Exactement. Premièrement, quand elle a dit bon, son bibilo, il n'y a pas de maman, ou il y a qui côté Kabilo, qu'on a bango. Le bosso, il y a un bibilo, il y a un service, il y a un kama. Ou il y a un kanga, il y a un soussou. Ou il y a un kanda, ou il y a un tupasi, ou il y a un kanda, ou il y a un kanda. Bon, ce qui. Gouvernement a vu ce qu'on a à côté ou à l'autre. Au niveau du marché. Na libongo. Na le place où quelqu'un consomme Babylone. Au niveau du port. Na port place où quelqu'un consomme Babylone. Consomme parce qu'il y a fufu. Au petit bas si on a un bongo. D'abord, na tika ko kan on a bambo kan muso sauté. Consomme bate quel y a loko par exemple na 100 dollars. Au niveau foot à 100 dollars. Oh non, maman il faut bâtir ça le sous 10 dollars. Ah, question à tout. C'est ça? Non, ce n'est pas tout. Bon, la somme, on a 5 000 francs congolais. Si on a 5 000 francs congolais pour la foutre, hein? Oh non, maman, il faut passer à l'issue sous 500 francs. 500 francs, les sous Yanine. Oh non, parce que ce qu'on sont bien aboyé, il faut pas qu'ils soient bons. Non, nous, on a plus de foutre en bon. Avant, il y a un service qui est bien, il y a un hôtel de ville. Il y a un droit de manutention. Au bison de bateau, il y a service, il y a un immigration, ce qui est pénini. Mais qu'est-ce que le service d'immigration vient de faire au marché? Je comprends rien. Service, il y a un coquille, il y a un coquille. Alors,
Mais ça, c'est un désordre alors. Dans ce cas. On commet perdu, on est sur le coin de la terre. Mais Christian, na bolingo ya Congo, comme moi na ya Congo. On est au bundeli mboko, parce que baninga musoso ba bundeli mboko na silence. On ba koi kolobate. Je crois tant on a collé la télévision na yo, ba tu musoso ya minene ya mboka. Ba komona oh eza mama Marthe ba yebi ke to bundeli pe mboko mais to zana bolingo na yango to bundela ki yango poto zo récompense te to lingi mboka na biso yo avancer mais to pesi merci na papa mokonzi ya mboka pona ko ta ko fungola na biso quand même porte parce que avant pour ko zo visa oya na Congo ezala ki calvaire. Aujourd'hui, vous appliquez sur le terrain, non? Comme mais si koyo et comme les gens sont dans le Congo, ils ont un problème, ils ont une valise dans le Kitinaye Congo. Mais il y a un problème. Ce qui est dans le Congo, ils ont un problème, ils ont un problème, ils ont un problème, ils ont un problème, mais pour nous renouveler le visa, ça devient calvaire. Oh! Et ça devient calvaire, il y a calvaire. Même comme nous avons le bâtiment sous n'a évité. Au quoi appliquer visa, poser un maboko, ça devient haut, to évité. Alors, na bamboka mususu ya libanda, pote kababilo kondeke tuza na Amerika, bandeko gaza na États-Unis, bazola ndangai, na pesi mpe mbote na bana Washington mobimba. Biloko ya Congo po bozwa yango, c'est difficile. Et biloko ya Congo tozo teka yango trop cher. À tel point que les Congolais ont préféré, à son babiloko ya Nigeria, à son babiloko ya Camerounais, na banini, mais biloko ya mboka na ye moko c'est difficile. Parce que tous ont accès. Exacte. Je ne crois pas que conteneur mi balé mi sato, ya biloko ya kolia, et l'ongwakawa, po eken. Mais tandis que ceux qui biso to koye, à son babiloko, tous ont motivé pe, bato ya bazo lona. Pour que a ebi ke, ceux qui na loni lelo, ah, biloko eko tambola mbangu, eko kenda. Oh, moninga kuna ateka ki, peut-être, sans sa ki ya boy. Ngape na somba, na teka, bako sala musala yangu. Alors, na bolingo wana ya mboka, tosengi na papa mokonzi ya mboka vrema, ache la biso lisu. Pe, na bakonzi na biso ya mboka, ezaka kaye mokote. Parce que ye azakuna likolo, ako yiko sala misala nyo sote. Ako yiko sala misala nyo sote, me, biso nyo sote, to simba na loboko. Pour que tout tambou sa moussalo. Alors, Madame Samira, ce qu'elle est en train de dire, elle dit, elle explique que quand vous arrivez, par exemple, au marché ici, vous pensez parler avec la vendeuse ou les vendeurs, mais en réalité, vous donnez un peu plus que ce que vous avez acheté. Et pour des explications que vous ne comprenez pas. Est-ce vrai? Oui, on était au marché de Maluku, je crois à 2 ou 3 reprises déjà. Quand tu achètes ici, on te dit il faut payer le droit de port. Je dis, mais on paye le droit de port à qui? Oui, mais justement... Tout un groupe de personnes là, tu payes ici, tu avances avec le sac, non, il y a encore une barrière ici, il faut payer, mais c'est quoi tout ce désordre? Mais l'argent ne va pas dans les caisses de l'État. Oui. Où va tout cet argent? Et qu'on a fait sortir encore le sac? Non, les porteurs, celui qui a porté de l'intérieur, ne peut pas porter de l'extérieur et mettre dans ta voiture. Il faut un autre groupe spécialisé qui est sur place, qui doit prendre le sac dehors et mettre maintenant dans ta voiture. Et tu les payes encore. J'ai dit, mais... Et le porteur qui a pris déjà l'intérieur, il ne peut pas mettre dans la voiture. On dit, non, c'est la loi ici. Je dis vraiment. Pourtant, ce n'est pas la loi, ce sont des arrangements que les gens se font pour soutirer de l'argent aux gens. Yeah. Et finalement, quand on fait, vous vous rendez compte que si le produit coûte 100 $, oui, vous allez payer 125, 130 $. Oui, oui. Il y a beaucoup de frais supplémentaires. Mais ce sont ces frais-là qui, oui, ce sont ces frais-là qui alourdissent même la machine et qui découragent les gens. Oui. Alors, mais bon, et puis après, lorsque vous avancez dans ces conditions-là, est-ce que vous avez envie de continuer? Honnêtement, du Congo, non. Oui. J'espère que la situation va s'améliorer, sera meilleure. Oui. Là, j'aurai le courage de revenir. Parce que si j'avais prévu 3 semaines, maintenant, ça me fait déjà plus d'un mois. Et nous ne sommes même pas encore prêts de finir. Donc, peut-être encore 2 semaines supplémentaires, ça devient trop long. Oui. Parce que j'ai des affaires aussi à gérer de l'autre côté. Et ce qui est contradictoire, fait partir les conteneurs aux États-Unis, faire sortir ça aux États-Unis est tellement facile. Tellement facile que je suis même plus confortable faire partir des conteneurs aux États-Unis que faire partir venir des conteneurs en Afrique. C'est pas possible. Oui.
Donc aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Vous ne rencontrez tout pas toute cette chaîne-là. Non, tout est documenté, les tarifs sont connus, il n'y a pas de frais supplémentaires ou superflus. Non, 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 non. Ton transiteur te dit, ok, ton conteneur, voici la valeur, voilà combien tu dois payer. Ton conteneur sort. Tu as une inspection, ils viennent inspecter normalement, sans problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de magouille comme en Afrique. Je vous donne un exemple. Moi, je voulais faire venir des produits des États-Unis en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas pu. Parce que la douane chez moi aussi est beaucoup élevée, tout comme ici, au Congo. Ici même, c'est la douane est énorme. Ah bon? Et c'était une activité quand même qui allait fournir de l'emploi à la population locale. Ça allait me profiter et ça allait aussi profiter au peuple. Mais je n'ai pas pu. Parce que les tarifs déjà sur le produit sont près de 45%. Donc si j'ajoute au transport, les frais de manutention, le produit devient trop cher pour le niveau de vie en Côte d'Ivoire. Oui, le gain petit. Voilà, donc même pas le gain. Je ne sais même pas si la population locale pourra acheter justement, le produit. Justement, c'est un gain petit. Voilà. Il ne peut rien. Peut-être qu'il touche $1 les jours, je ne sais pas. Mais est-ce que la douane ici, ça coûte cher qu'il y a la Côte d'Ivoire ou c'est, presque la même chose? Bon, on m'a dit, elle m'a dit qu'ici, encore plus. C'est aussi ici, encore plus que la Côte d'Ivoire, déjà. Voir, parce que moi, j'ai dû abandonner le projet carrément. J'ai dit, bon, je préfère faire Côte d'Ivoire, États-Unis, qui est plus facile pour moi. Je n'ai pas de tracasserie, je fais sortir mes conteneurs, je les vends, c'est mieux. Donc, je voulais aussi faire dans l'autre sens, mais... Mais quelqu'un m'a dit, par exemple, à Dubaï, quand j'étais à Dubaï, quelqu'un m'a dit que... je ne sais pas si c'est moi qui avais mal compris. Il m'a dit qu'un conteneur de 40 pieds coûterait entre 25 000, je crois 14 000, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il faisait mesure quoi. Dubaï, oui, parti de Dubaï. Ça dépend des produits. Oui, je crois qu'il parlait de 13 000. Mais il a dit ici, chez nous, peu importe, mais c'est toujours au-dessus, quoi. Oui. Toujours supérieur. Oui, ça dépend. Parce que moi, j'ai fait aussi la conteneur de Chine. Donc, oui. Parti de la Chine, 25 000 $, tu fais ton conteneur. Alors, prenons le conteneur qui fait. Prenons ça comme ça. Le conteneur qui fait 25 000 $ en Chine. Mm-hmm. En Côte d'Ivoire, ça peut faire combien? Le même produit. Le même produit? Oui. Oh. Peut-être le double. Ah. Oui. Alors, si c'est le double et ici c'est plus que la Côte d'Ivoire, on a. Conteneur au Salégui, par exemple, à Togo. Tout ça n'est qu'à même prix. Tout ça n'est qu'à conteneur, il y a Togo, au Salégui, par exemple, on a 20 000. Alors, au Congo, ça, on a combien? Soit on a 20 000, on a 35 000. 35 000. Voire même 40. Bon, ça dit sur ça dans la Côte d'Ivoire. Bon, le problème, on est que, si on a ça dans la Côte d'Ivoire, on ne peut pas produire. On ne peut pas produire. Bon, on a pensé à tout le temps gouvernement, mais tout le temps, il y a un parce que, tant que nous sommes là, quand nous sommes là, quand nous sommes là, tout le monde est là, quand nous sommes là, ils sont là. Mais ils sont là, quand nous sommes là, quand nous sommes là, quand nous on a bêta katolo, par exemple, pas na bango. Il y a des fois, je l'ai dit, j'ai dit, ah, va là-bas. Chez nous, il y a tout. Notre terre là, Dieu vraiment a mis tout. Parce que quand on a tomate là, au bois qui lobby, casse à ébile. Mais, quand on a besoin de tomate, c'est difficile. Non, on importe, bizarre. Mais, produit na biso, on a ma belle, on a un peu sa biso. Pourquoi pas tu peux importer comme Cameroun par exemple, mais Cameroun, tu peux avoir des Ivoiriens, des Kokota, des Congolais. Congolais même à Cameroun est comme un Bokanaï. Pour nous, on va dire qu'on a vu ça. Pour Tommy retrouver Pondu Onino Cameroun. J'ai un Congolais qui vit aux États-Unis, à outre la Pondu na Vietnam. Je comprends pas la. Oh, yeah. Je comprends pas la logique en fait. Mais nakena ko sa Pondu na Philippines. Mais comment vous faites? Je le fais aussi. Yeah. J'envoie les conteneurs de Vietnam. C'est pas possible. Les pondus sont super. Les matembele, les ngaïngaï, tout vient de là-bas. En Philippines. Yeah. Mais alors que chez nous, on en a. Moi, je suis toujours sur place. Mais si on vous facilite la tâche. On facilite la tâche. Parce que je préfère, na kaye na Philippines, place na ebite, na sali biloko na ngambangu, na kuzata na problème te, parce que na ebike, soye na komi anako futa boye, soye na komi anako futa boye, na kofuta boye, na kangimbong. Na comme na port ya ya États-Unis, na bimisi biloko très facile comme l'eau à boire. Mais awa. Na ko ebisa na uti na ko kiko memela ba preuve. Dernier conteneur na uti ko fungula awa. Christian s'il te plaît, na futi yango $15 000. Comment ça? $15 000 s'il te plaît. Et ce qui na zui à $15 000 na futaki, na zui transport ya matadi Kinshasa.
Et ça, là, il y a 17 000 dollars. Pourquoi? Parce que il y a une voiture qui est Chevrolet, une voiture qui est Hyundai, qui est 2018, qui est 2015. Et quand je demande pourquoi vous avez belé, oh non, parce que voiture one est à Sika, et c'était accidenté même. Parce que voiture one est à Sika, il faut foutre en gros 6 500. 6 500. Voilà, la preuve. 6 500, c'est le prix d'une autre voiture. Si on a voté quand on a combien? C'est pas vrai. On a voté quand on a combien? Conteneur au coût des douanes, conteneur à 15 000 $, s'il te plaît. Mais, wanezo kangabiso. Mais tandis que namboka loko la bene, tango na kokenda kenda kaku dédouane ba conteneur na bene, Christian Angai, okokuta congolais attendi pour ka dédouane ba conteneur na ye. Ba combien environ? Oh, il y a des fois tokuta na kafe congolais toza wana. Bobenda ni pe bokei, bozoe, bokuta ni wana, boye banite. Mais oye tam sousa lobi lingana na telefone, ah, onde koboni, ah, boye banite, ah, ngape congolais, tobandi kofinga Congo. Mais, tu as vu que tu as dédouané, tu as vu combien? Tu as dédouané le conteneur na Bénin, ça a 4 000. 4 800. 4 800 alors que chez toi, c'est 15 000 $. Thank you. Madame, et j'ai les preuves. Madame, est-ce que vous imaginez ce que c'est? Oui, oui. Ça veut dire, elle prend, elle dédouane à Bénin mm-hmm. le même produit. Au Bénin, là-bas, pardon, elle dédouane à 4 800. Ici, à 17 000. Ça veut dire 15 000, 17 000. Mais attends. Non, dédouanement, ça me ferait. Tous les dédouanements, ça m'a pris 15 000. 15 000. Transport, ça m'a pris 2 000. Mais même alors, 15 000. Et arrivé ici à Kinshasa, il y a aussi des services qui vont venir par-ci, par-là. Tu vas dépenser 600. Tu vas dépenser. Ça dépend seulement de ce que vous voulez dépenser. Vous voulez, non, mais ça dépend de ce que vous allez être trop dur envers eux. Mais ça veut dire que. Vous dépensez au Congo 3 fois ce que vous dépensez au Bénin. Merci. J'ai un conteneur qui vient tout de suite. Le conteneur là, il y a seulement... Je n'ai pas mis la voiture parce que je ne sais pas. C'est trop. Alors, j'ai demandé au déclarant hier, j'ai dit bon, le conteneur, j'ai 2 conteneurs qui viennent. L'autre, il y a des voitures dedans. L'autre, il y a seulement des adverbes. Papa, si on a confus abonné à l'objet, on s'occupe peut pas comme serrer, parce que comme serrer à maman à Monica Kake, il faut préparer alors comment quoi ya 10 500. 10 500, ça prend la bilocos. Non, c'est pas vrai. Est-ce que le gain tu aurais à 10 000? Alors pour dans tout ça, toi et Baba prix. Ok. Tant que monsieur soupe. Et pour qui qu'on appelle manigance, il y a ça, où le gouvernement est habité. Mais ceux qui ont pris les alliés, ils ont dit que ceux qui ont commis l'aéroport, le visa est à 90 dollars. Et le prix est affiché, tout le monde voit. Le prix est affiché. Ils ont 90 dollars. Mais tout le monde est à Moninga Azate. Si vous avez dit que 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 mais ceux qui ont dit Molili, tokoye ba oya za na fotite amen nyo surtout tokozongi c'est pas na bango mais to sengi na ba konzi ya mboka ke ba mekanano ko afficher ba prix toye ba combien to futaka pour que to mona soki ke mabe uti pa ya ba konzi ya mboka soki mabe uti et pa ya ba tutozo sala na bango misa. Très bien. Alors madame Samira, on va évoluer vers la fin. Dites-nous, lorsque vous êtes aux États-Unis et que vous voulez peut-être vendre les véhicules, comme maman Marthe l'a dit, vous voulez vendre par exemple les véhicules en Côte d'Ivoire, vous dédonnez un conteneur de véhicules à combien par exemple? Bon, depuis un moment, je crois que les lois ont changé en Côte d'Ivoire. On ne peut plus faire partie des voitures de, je crois, plus de 5 ans, quelque chose comme ça. Ce qui a fait que moi j'ai coupé ce domaine-là, carrément. Parce que la douane aussi en Côte d'Ivoire est beaucoup élevée. Souvent, tu préfères même aller dédouaner au Togo et faire passer par la route. Pour entrer en Côte d'Ivoire, ce qui est vraiment dommage. C'est un manque à gagner pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un manque à gagner. Ouais. C'est un manque. Parce que quand il y a beaucoup de projets comme ça qu'on a laissé tomber juste à cause de la douane. Et bon, moi, j'aime pas trop de tracasseries. Il faut avoir les bras longs. Moi, je connais personne. Si je n'ai pas les bras longs, je peux pas faire quelque chose. C'est-à-dire normalement. Aux États-Unis, je connais personne.
Je n'ai pas besoin de soudoyer quelqu'un. Tout est là, je parle au transitaire, il me fait sortir mon conteneur. Souvent aux États-Unis, tu dédouanes un conteneur à moins de 1 000 $. Moins de 1 000 $, ton conteneur est sorti. Par moment, quand il y a trop de congestion, que le conteneur doit attendre et puis peut-être passer à l'inspection, là tu peux te retrouver facilement 6 000, 7 000 $ à cause du durée, il faut payer le démourage, c'est-à-dire le, comme on appelle le démourage en français encore là, les frais de... Là, j'en sais rien. Je ne vous aiderai pas, j'en sais rien. Les frais de l'entreposage. Ouais. Donc, c'est ça qui gonfle un peu. Mais il y a des moments, 1 000 $, 2 000 $, ton conteneur est sorti. Ce qui n'est pas possible. Mais pas possible. Pas jamais. C'est même pas possible, même pas en rêvant. Vous voyez? Donc, finalement, je préfère, dans le sens qui me facilite, moi, je ne connais personne là-bas. Mais en Afrique, tu es obligé de soudoyer, tu es obligé de connaître des gens. C'est quand même dommage, parce que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre là-bas aux États-Unis, oui. Parce qu'on vous facilite. Et il y a des accords qui sont vraiment respectés. Dans les petites et moyennes entreprises, on vous facilite vraiment, on veut vous encourager dans l'entrepreneuriat. Parce que ce que vous faites, je prends un exemple comme Marc l'a dit, vous venez acheter les Pundu. Supposons que vous faites un conteneur d'une tonne, je ne sais pas moi, ou deux tonnes, quelque chose comme ça, et que 15 femmes congolaises ont fait les champs. Elles ont apporté ce manioc-là et que c'est parti, c'est épuisé. Mais les autres 15 femmes verront que c'est un bon marché. Elles peuvent amener, elles peuvent faire plus. Or, en faisant plus, elles produisent plus, elles deviennent beaucoup plus compétitives, beaucoup plus libres parce qu'elles gagnent beaucoup plus d'argent et l'activité est diversifiée comme ça. Mais lorsqu'on vous bloque, vous partez, ben, la pauvre dame, si elle produisait 15 et qu'elle a seulement vendu 8 et que le surplus-là est perdu, ben, la prochaine fois, elle fera 7. Et du coup, ça baisse la production, ça baisse l'argent et les gens continuent à être pauvres. Très bien. Bon, même pas comme ça, moi je vais ajouter. Ok, allez-y. Même pas comme ça. Parce que si une dame a zo produire, biloko na ye. Mais la dame, a moni ki a teki biloko mingi, biloko zo kenambangu. Moi si wana a ko embauché basi moussous. Basa yele moussala, exactement. Basa yele moussala wana. A ko koli sa siko misala na ye pour que, oh, à la prochaine fois. Nazwa basi 10, 20, basa la po na ngay, lobi tango ba mama wana bako ya kosomba biloko, bako kuta biloko ebele pa na ngay. Ako zwa bana ya mibali ya mike mike wana, par exemple na Togo, okuta bana, bon, je n'aime pas ça, mais, quand même, eza ko pesa bana misala pour kibaza ya libandate. Okomana mwasi moko azwi bana 10, bazo sa la po na ye. Il y a zoteka, mais bana wana bazo futa classe parce que ma famille bazana moyete. On y est bana bala la libanda. Mais c'est une très bonne chose parce que nous avons au Congo un phénomène des filles mères. Des filles mères, elles sont pratiquement dans l'inaction et dans l'abandon. Ne se connaissant pas, elles se minimisent, elles se jettent dans les bras de leurs oppresseurs, malheureusement. Elles vont encore avoir des enfants. Elles rentrent dans une spirale infernale. Or, si quelqu'un vient briser ce cycle-là, en disant à une femme, par exemple, bah, jeune fille mère, voilà, bah, ça la pondou, culture de pondou, parce que bah, la maman, la maman Samira, vous voyez que cette fille-là, elle ne voudra plus donner son corps pour rien. Elle va dire, je vais me prendre en charge. Et si elle se prend en charge, elle est un témoin vivant. Ça veut dire que toutes les autres femmes feront comme elle. Et on a arrêté un phénomène. Donc, l'État peut toujours gagner beaucoup de choses. Alors, maman, ton style, c'est M. Nabusso Alelo. Mais avant tout, si on a Guinée Basco, au Binogo, c'est la race qu'on est aux États-Unis. Là, on a parlé des difficultés d'ici. Maintenant, parlons des femmes qui font aux États-Unis là-bas. Madame Samira, on dit que les femmes qui partent de l'Afrique, vous partez aux États-Unis, vous allez vous occidentaliser. Et du coup, vous coupez des origines d'ici. Vous devenez américaine et tout le reste. Est-ce que vous gardez vos origines d'ici? L'éducation ivoirienne? Les respects de nos valeurs, la coutume et surtout la place de la femme. Bon, je pense que en toute chose, l'excès nuit. Ouais. Il y en a effectivement qui exagèrent, qui oublient carrément d'où elles viennent. Et elles veulent tellement s'occidentaliser qu'elles-mêmes deviennent plus que des Américaines. Et, par contre, il y a quand même une grande partie qui savent d'où elles viennent. Tu sais comment tu as grandi. Tu ne vas pas te retrouver aux États-Unis ou bien en Europe et oublier tes origines. Parce que quand même, en Afrique, nous avons les valeurs. Les valeurs morales qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que moi, ma philosophie,
tu gardes toujours ce qui est bon chez toi, tu prends un peu qui est bon là-bas et tu fais l'association. Tu n'oublies pas carrément d'où tu viens, tu deviens la patronne de la maison, tu deviens la maîtresse de la maison. Non, moi je suis chrétienne, même bibliquement, c'est pas normal. Parce que essayons aussi de... Nous sommes des personnes humaines, ça c'est un, et nous avons des guides religieux. Nous n'allons pas, au détriment de la religion, faites ce que nous voulons au nom de l'émancipation. Non. Moi, je pense que les valeurs sont importantes. Nous les avons, nous devons les inculquer à nos enfants. Mmh. À la maison, le monsieur, il est roi. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, que nous le voulons ou pas. Le papa, il est le maître de la maison. Même quand tu fais plus d'argent que ton mari, Ça reste ton mari. Voilà, il reste ton mari. Tu l'obéis, oui. Tu laves les vêtements. Bien sûr. Tu fais la vaisselle. Tout. Tu repasses. Oui. Et mon Dieu, merci, je bénis le Seigneur parce que le mien, il est quand même compréhensible. Il m'aide parce qu'il sait que je travaille beaucoup. Oui. Dis ce que je peux faire pour t'aider, voilà. Moi, lui-même, il aime bien faire la cuisine. Ne t'en fais pas, moi, je vais m'occuper de la cuisine. Au moins, je sais que quand il est à la maison, les enfants ne vont pas souffrir. Donc, ça m'enlève déjà un poids. Donc, c'est une complémentarité, en fait. Ce n'est pas un ordre. Je ne peux pas te dire, oh, tu n'as pas fait la cuisine. Non, c'est à moi de faire la cuisine. Ouais. C'est ma responsabilité. Et vos enfants, alors? Comment vivent vos enfants? Est-ce que vos enfants sont occidentalisés aussi? Parce que je crois que le problème, c'est généralement eux. Oui. En grandissant avec les autres Américains, et alors pour eux, il oublie tout. Hein? Il oublie Yopougon, il oublie tout. Ce qui est dommage, mais moi, à mon niveau, quand même, je fais l'effort de ramener les enfants au pays. Oui. Ils ont passé même 2 ou 3 ans chacun au pays. Donc, ils parlent le français, ils sont bilingues. Ça, c'est le minimum. Et je leur inculque aussi nos cultures, nos valeurs. Et le fait qu'ils soient déjà partis là-bas, ils ont aussi vécu les réalités africaines. Donc, ils savent, quand je commence à parler, ils savent que, effectivement, ce que maman dit, c'est la vérité. Nous sommes venus ici, c'est un pays d'opportunités, mais n'oublions pas nos origines, n'oublions pas d'où nous venons. Et n'oublions pas nos valeurs. Parce que là-bas, en Occident, vraiment, les valeurs morales... Oh. Il faut chercher. Vraiment, il faut les chercher. Maman Marthe. Maman Marthe, ma bibla congolaise. Soki ba kepo, tonne ba kanga kanande okanga. So komi kakuna ale ya dasuki, abaluki, ifengo yande, ifengo ya lole, sona lonjene. Bon, ça dépend aussi de l'éducation, Moukazouaki. Et pas la famille naïe. Avant de répondre, yo, et l'okoana, la lingina zonga le sous moi moke, pour la moussa en angaï. Y'a pas de problème. Alors, na boaki miso, pour la koyevisa, papa moukonte. Maman pas a pembeni wana zoyoka. Ke, babenga, babeta kimbela, ke, congolais n'yon soto ya lingi, a zonga. Mais, na yeko senga na bango, na ba kondinyon sotou. Eza kaka ye mokote. Tozo ta ye la kaka ye mokote. Paske to ta ye la, batu nyon so. Depuis Nikolo Tinase, ke, bo fungo ye la bi support. Tozo nga, ba ningo msusu bazabi, pa inyon sotou, ba monike, ba koyiko ya mboka ko sala, to temwanye peke, bandeko boya. Me, franchema, na koyiko lo bana bandeko ke boya. Paske, oyo za, ya makasi, e komiko fungwa. On a coup de chapeau. Très bien. Yeah. Mais pour la vie aux États-Unis, il faut que les gens soient millions. Ils font un peu de salaire. Pour que les gens soient millions, pour gagner un garçon, c'est difficile. En Amérique. Les gens soient millions, mais les gens ne sont pas moi, sinon, ils esclaves. Ouais. Ce qui moi, c'est un salaire. Non, c'est bon, allez-y, on nous signale que tu es mais allez-y. Bon, moi, si na yo, ce qui est à ça, là, il faut s'ungaye. Dengo lobi, il faut pas se gola basa, na yo, surtout. Mais ce qui est à ça, là, il faut pas se s'ungaye. Eh, voilà, le cadre aide. Dans le cadre de l'aide, on peut toujours le faire. Mobile, il faut pas s'ungaye parce que. Moi, c'est ça, esclave, t'es. Moi, c'est dit, mon bouté. Yeah, moi, c'est ça, mon bouté, mais cela n'est pas que. Par exemple, ngai na Washington bato bayebi mama Martinan. Na yebi ke bakulanda ngai ebele. Ona koloba wa ifona loba ya po bato bakulwa mama Martinan vuga makambu ya bebi kuna. Atoza na mbongo komona mbai na zara pamba te. Ifo pesa mbai na valeur parce que soki yo pesa mbai na valeur ete mukili bayebi.
Bon, on va na suko. Bon, ça va. Ce que vous avez dit, c'est que vous êtes en Afrique. Ce que vous avez mis la porte, vous êtes en Amérique. Parce que, qui ce soit quoi, place où vous avez dit, le gouvernement, vous avez dit, vous avez dit, bolingo avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, donc vous vivez dans la peur de perdre vos enfants une fois qu'ils vous accusent dans la police. Peut-être bon, ça. Même pas perdre les enfants, perdre même ta vie. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont accueilli au fond d'eux, par exemple, que maman a dit salinga boye, maman a salinga boye, ma couture est criminelle. Ah bon? Oh ya! Tous en a baka wana. Que papa a silica qui a bête moi en bata, moi en accueilli au fond d'eux, ma bambi en go kaza criminelle. Au cause de son moussala et gouvernement, social, n'a pas moussou soukena, moussala moussou soukotuna, ma couture baba vite moutou et za criminelle. Boutia y kounate. Madame Samira, ça arrive aussi que. Parce que vous avez tapassé, vous avez frappé votre enfant et vous faites de la prison? Oui, beaucoup. Beaucoup d'histoires pathétiques comme ça. Bah à l'Afrique, on serait tous en prison, on dirait. Mmh. À l'Afrique, on serait tous en prison. Quoi. Je crois, oui. Je crois. Mais est-ce que ça n'a pas dérangé aussi les enfants là-bas? Est-ce que ça ne les a pas désorientés? Si. C'est une société qui ne montre que le droit de l'enfant, mais oui. Jamais ses obligations. Oui, ça désoriente beaucoup les enfants. Beaucoup. Alors, parlons de vos affaires pour terminer. Vous avez combien de boutiques aux États-Unis là-bas? Moi, j'en ai deux. J'ai un supermarché qui est localisé dans le Bronx, 938 Maurice Avenue, okay. Là où je fais les détails. Le Bronx, je crois, il y a un film qui a été tourné là-bas, un film américain, je crois, bien presque à New York. Oui. Je crois, hein? Oui. Ok. Et j'ai un autre qui est un entrepôt, là où je fais le gros. Donc, j'invite, par exemple, ceux qui ont les magasins, les supermarchés et qui veulent se ravitailler. À venir. Ah, ok. Oui, c'est ça où? Aussi, c'est dans le Bronx, mais c'est à 1240 Randall Avenue. Les deux sont dans le Bronx. Donc, je fais du détail et je fais du gros. Ah, d'accord. J'envoie les produits d'un peu de partout. La Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Vietnam, Thaïlande. Vous avez un produit spécifique, vous vendez tout? Oui. C'est ce que vous faites, ce qu'on appelle l'exotique, c'est ça? Non. Non, exotique, c'est quoi, généralement? Exotique, je pense, c'est beaucoup plus les parfums. Ah, d'accord. Ouais. Et vous êtes dans la nourriture? Beaucoup plus l'alimentation. L'alimentation. Mais je fais aussi les habits, je fais aussi les bijoux, comme j'en vois aussi du Nigeria, un peu de partout. Mmh. Oui. Alors, comment on peut vous joindre facilement aux États-Unis, là-bas? Aux États-Unis, mon numéro de téléphone, c'est le 347-469-2799. 400? 347-469-2799. Merci beaucoup, maman Samira. Je rappelle que vous êtes ivoirienne et vous êtes au Congo pour les affaires. Oui. Et nous espérons que les choses vont très bien se passer pour que vous puissiez revenir, oui, cette fois-là avec 10 autres ivoiriennes, peut-être pas, pourquoi pas 15, pour que ça marche. Et les Congolais auront bientôt leur nourriture là-bas, à New York. Ça serait une bonne chose. Vraiment. Merci. Maman Marthe. Maman, vous êtes dans la boutique, dans combien d'états? Ok, dans la boutique de Washington State, bon, dans un entrepôt, où il y a un entrepôt, il y a un entrepôt pour retirer la boutique. Comme la boutique de Lakewood. Dans Lakewood. Hein? La Lakewood. Lakewood. Yeah. Une remarcation. Oh, mon remarcation. So, entrepôt n'a pas besoin de faire. Ok. Oyo, ba magasin mususu, ba bengaka. Yango nazo invité bana Congo, sikoyo. Parce que tout le monde a qui? Parce que d'ici là, mbisi ya Congo, au lieu de faire une poste, bato bazana na ba magasin. Au lieu de la poste, de la poste, parce que ça nous coûte. Moi, colis, moi, je suis en train de faire 200 dollars. Je suis en train de. Alors, si maman Marthe a l'objet, comme Boloba, maman Marthe, il y a une solution. Alors, on a mis une solution. Il y a une solution.
solution est pas maman Marthe. Oui, à l'ouka beya. Beya, on va venir, n'est pas bateau, monsieur. Mikungu. Mikungu. Maman Marthe a mémé. Oui, à l'ouka binzo. Nini. Amine, nyonso. Comme tu as dit déjà, conteneur y a Congo. Moi, la nyonso y a mboka Congo. Oza y souna posa roli a bilo kwa bapayate. Le preuve en est que, bon, pe sangai kaka moi petit temps, bilo kwa nyonso tout yo kongo. Et si y a kota ki pe bele na magasin. Bokenda. Alors, ce so qui ba na ya ba etan moussous, ba zozo wa bilo kwa maman mab. Bon, ba na Washington, bilo kwa na vine zye etoni. Alors, solution est zwani. Toyebi ki ba konza mboka ba yo ki biso, ba kufungula nyonso tout. Mais tu as une solution quand même. Tu as une solution. Numéro de téléphone 250. Oui. Mais est-ce que. Ou bien, adresse, tu dis 253-348-57-31. 10644 Bridgeport Way, Southwest, Lakewood, Washington. 98498. Merci beaucoup madame Samira. Merci maman Marthe. Et c'est un grand plaisir. Alors maman Marthe, pour moi, on aura pub de temps en temps. Et je vais donc balancer la pub de maman Marthe pour mettre faire à cette émission. Donc ce sera sa pub à elle qui va commencer, mais qui va être changée dans peu de temps pour donner d'autres références. Et nous pensons aussi que nous allons faire la promotion de madame Samira, la même chose. Donc vous aurez ça et bien tout le monde. Comme on l'a toujours dit, qu'il y a la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Oh,